Non, non. Il faut lui dire, son gourdin là, qu'elle prend pour tuer les gens là, c'est dans son ventre. Mais je l'ai invité la nuit, il dit le prophète n'a qu'à venir me manger. Moi je peux peser, je pèse quand même. Tu peux me mettre dans une mamie, peut-être moins à 3 jours. Papa, non. Je suis en école, je suis en école. Je suis en école. Pourquoi tu n'as pas dit ça hier? On a aidé les mecs à jouer là. Hein? Il y a des mecs à jouer là. Elle dit quoi? Parce que le poids est dans son ventre, ça, c'est ça, elle marche. Elle marche, elle ça. Maintenant, pourquoi elle n'a pas dit ça? On a un bain de mecs à jouer là. Ah, et des coups pour là. Elle a oublié. Elle a oublié. Oh, tu dis que tu es venu te faire délivrer. Alors, il n'a pas de fous ça. Il est dans les mêmes balles. Ah, mais vous ne pouvez pas passer à la maison. Vous ne pouvez pas passer à la maison. Vous ne pouvez pas passer à la maison. Et c'est pourquoi maintenant elle est en train de dire que ça est dans son ventre. C'est elle qui dit, c'est moi qui ai dit. C'est ce qu'elle a dit là. Non, vous lui demandez. C'est elle qui dit ou même c'est moi qui viens de dire. On a mon passant là. Ou bien mon petit mon passant. Elle, c'est parce que tu as dit que maintenant elle a répondu. Non, elle a ça dans le ventre ou pas. On a au cours de la gomme, ou bien on est en gomme. On a gomme. Sous la gomme. Voilà, qu'elle prend le gourdin là. On est là comme le On a nyebé. C'est la cachise dans ton ventre. C'est dans ton ventre tu prends pour tuer. On a aucun à gomme, pas mon côté basse. Ah. Nous là, elle dit quoi? Nous. Non, c'est pas fait de Mounoukou, c'est vrai ou pas? On a Zabra quoi ou bien Nyebé? On a Okona Gomé Soué. Pourquoi tu n'as pas dit ça hier? Okona Gomé. Mais une bonne nuit, pas Zoué là. Ma coupe pour Nana. Aide-la à oublier. Quelque chose tu prends pour tuer, tu as oublié ça? Sous mon bac, les bagnes, Okona Gomé, les nains, et pour ça quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle a oublié qu'elle te demande pardon. Quoi tu prends pour tuer les gens? On a sous mon bas, c'est que les bagnes en lui, et pour ça qu'on a pas. Tu dis, n'a pas mis sous mon bas. Elle a dit quoi? On va te faire boire l'huile, tu as un bon diarrhée, ça va passer. Au courant, ok, on va lui faire une bain d'huile et puis ça va sortir. C'est pas elle qui fait caca de sorcellerie pour faire peinture à ses enfants. Didi, on a un bassin nini, le bout de semaine à huile. On appelle ça bounini. Bounini. Le bout de mine est huile. Donc, c'est que mes sous-collés, nous avons commencé à faire un caca, même c'est pas bon. Druille, ne sait même pas. Maintenant, vous changez. Soignons. Ne druille pas, ne soignons. Il 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 ne soignons. Elle dit quoi? Elle demande si c'est toi qui a payé l'huile là, ou c'est elle-même qui a payé. Elle me demande. Qui a payé? Qui est malade? On a mon essaya, où est mon eya? Ah mon eya là. Alors. Donc mon titi mon y est devenu fou là. C'est moi qui t'ai dit d'aller cacher ton voilà dans ton ventre. Wa ba là là. Wa ingu na na wa di na wa sana fou là kona. Isa et na yu ti yo sa fou là kona. Ni gine sa na yu yo fou là kona. On est en a pas servi, ils sont à fou encore. Elle attaquait parce que aussi. Mais non, faut traduire. Na yo y a un sa fou encore là, on est passé. Oh, comment braquer,
Elle dit que sa fille qui a braqué, elle a marié par soeur. Elle lui a arraché ses dossiers. Maintenant, il y a la fille de sa soeur qu'elle a lui a arraché la bac. Le bac. Le bac. Comment elle a fait pour arracher? Il y a ça, nous l'a laissé, elle n'a pas qu'à l'école. Elle dit que lorsqu'elle passait le concours, c'est là qu'elle lui a arraché le dossier. Comment? J'aime bien qu'on explique le coup. Il y a ça, nous nous sommes passés et au fond, on est embrassé. Elle dit quoi? Elle a pris ça comme ça. Elle a mis ça où? Elle a pris. Et derrière, il faut aller là. Hein? Il faut aller derrière, maille là. Oui, vous n'avez pas. Il n'y a rien. Oui, derrière, maille là. Parce qu'il y a autrement à doubler par la main. Elle a déposé, puis elle est là. Mais non, elle n'a pas encore eu le bac. Bon, y a, elle a dit seulement qu'elle a fait l'examen. On est dans le bac. Comment elle a pris le bac? On est dans le bac, va. On a meillé. On a meillé. Maintenant, comment elle a pris le bac? Maintenant, est-ce que nous l'aimons pas, ce maquille? C'est ce qu'on veut savoir. Elle savait qu'elle avait déjà ça, c'est ça? On est dans le bac hier, l'embassé au foie. Et c'est nous l'embassé au foie. Et c'est nous l'embassé au foie. Il faut lui demander. Donc, elle savait que la fille devait avoir le bac. Donc, on ne sait pas qu'il y ait un embassé au foie. Non, je n'ai pas dit. Ok, ça c'est quelque chose qu'on va exploiter toujours. Excusez-moi. Je suis en train de montrer comment fonctionne la sorcellerie. Elle n'avait pas encore eu, mais elle savait déjà qu'elle allait arriver. Hé, mémé, c'est pas moi qui a dit d'aller prendre ton pied, puis vont couper bien la suite. Elle dit, c'est lui qui a dit ça hier, que le pied, vous voyez là, elle donne ça aux gens, on n'a qu'à couper bien comme ça, elle donnera à manger aussi. C'est elle qui la cuisinière. Elle fait chop-jen. Chop-jen des sorciers. Donc elle peut déjà savoir si quelqu'un doit réussir ou pas. Donc un bosso n'a non, on est froid hier, des bassements quoi, un bosso. Donc n'y a non qu'à on est froid hier mon ici mona. N'y a non qu'à là on est froid hier mon ici mena. Quand il y a froid hier, mon bosso. Bah mon bosso. Bon là non quoi, bosso amakon. L'ignoble n'est pas ça amakon. Elle dit c'est parce qu'elle était pour elle, qu'elle savait déjà qu'elle allait en avoir, c'est pourquoi elle lui a arraché. Vous avez tout compris, non? Donc ça veut dire que les sorciers sont dans la famille, et vos chances là, et ils savent quels sont ceux qui vont voyager, ils savent ceux qui doivent se marier, ils savent ceux qui doivent se prospérer. Malheureusement, ce sont ces personnes-là qui sont victimes. C'est pour ça que nous nous révoltons contre la sorcellerie. Si eux n'ont pas envie de vivre, mais qu'ils laissent les personnes vivre leur vie tranquillement. Oh, ils peuvent venir chambouler toute ta vie. T'es fait rentrer dans le point d'endettement, tu es endetté. Tu sais, lui met la tête. Il crée une histoire. C'est pour ça que maman, je me balade, je suis à Abidjan, je vois nos soeurs sur le trottoir en train de chercher à se prostituer, je pleure. En réalité, ce n'est pas parce qu'elle voulait cette vie. Comme une belle fille qui a toutes les facultés, elle va s'arrêter sur le trottoir et puis vivre la prostitution. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui l'a rendu comme ça. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle te demande pardon. Non, les enfants d'hier, là, on les a tous lavés. Voilà, c'est les gounini, là, de quitter sur eux. Faut dire la vie. On a, au bout de moi, au bout de toi, c'est les mille, mais le poste, moi, le gounini, on s'appelle moi. Voilà, c'est toi maintenant qui dois continuer de parler. Mais, il n'a pas. On le fait, on a tué en cours. Et alors, ça dit, ça a cassé beau tout. Elle dit, t'es prêt, faut pas ça te dépasser. Hein? Hein, faut traduire. Dieu est fort. Elle dit, elle est vraiment dépassée et choquée. Non, la butée, ça. Elle dit, les enfants, qu'elle a, comme tu as dit, qu'elle n'a qu'à tout se confesser. Oui. Pour qu'elle-même soit délivrée. Très bien. Donc, Joseph, c'est elle qui l'a donné. Qui est Joseph? Elle dit, l'enfant de sa soeur. Elle a tué. Elle a tué. Elle dit quoi? Elle demande si elle va pas tomber. Bah, si tu tombes, gloire à Dieu.
Donc elle c'est elle-même qui l'a livré. Tu vas comprendre quand le pied Dieu t'a donné là, on ne prend pas ça par le couper viande. Pourquoi vous êtes malade jusqu'à ce point-là? Leur problème c'est contre nature. Il est chaud contre nature. Pied, tu dois marcher ça. On n'a qu'à couper viande. Donc elle a tué. Et il faut lui dire, sa fille qui est en France là, elle a déjà livré la fille. C'est ce qu'il attend qu'elle dise. Voilà. Ça nous a la vieille. La vieille, la vieille. Je ne suis pas là pour jouer toi. Quand tu viens ici là, il faut lui dire qu'elle vient ici là. Je la scanne. On a une nouvelle dernière. Comment j'ai su qu'il y a un bois dans son ventre? Demande-lui comment j'ai su qu'elle a un bois dans son ventre. Non, il y a un bois dans son ventre. Comment j'ai su ça? Demande-lui comment j'ai su ça? Donc, ça n'a rien. Nous, ce qui nous intéresse là, si toi tu veux mourir, ok. Et il faut lui dire suis-moi. Si elle, elle ne veut pas vivre, bon, ok. Mais elle n'a qu'à laisser les autres vivre. On a été on a qu'à pour que connaît ça maudit. Sinon, on a né. Mais je lui ai demandé de venir la nuit m'attaquer. Pourquoi elle n'est pas venue? Nous, on a. Oh, y a deux monnaies, au pire, c'est Kamoba. Et puis nous sommes ici. Nous sommes ici, si tu t'es trompé, dans la loi, on appelle ça violation à domicile. Donc quand il y a violation à domicile, ils sont en légitime défense. Légitime défense là, c'est ce que je vais te montrer. Je vous dis, pourquoi je parle comme ça? La sorcellerie a des limites. On a goué au cas Bialetta. Et pourquoi je ose lui demander de m'attaquer? Parce que je sais ce qu'il y a avec moi. Parce qu'il y a tout au cas d'être. C'est cela que vous, là, vous les sorciers, là. Non, mon nom, c'est Bené. Et ouais, mon mené. Et c'est non, n'est pas là. Mais il y a un cas où 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 il y a un cas. Elle dit c'est parce qu'elle ne veut plus ça qu'elle est venue ici pour que tu puisses la. Mais elle a trop mangé. Oh là, mon bas, c'est Nyanou Titi. Non, on mangeait. C'est Nyanou Titi. Elle a mangé. Vous lui demandez, c'est d'où non? Qu'elle mange. Nyanou m'a laissé ou amené. Non, tu souviens. C'est d'où non? Elle a mangé. Elle a bien mangé. Et de montagne. Et garçon. Elle ne mange plus. Elle ne mange plus. Maintenant, pourquoi elle n'a pas dit pour sa fille qui est en France? Elle n'a pas dit son bois. Pourquoi il n'est pas délivré hier? Parce que je savais qu'elle n'avait pas dit de choses. C'est la cuisinière, c'est la reine, sorcière. Donc il y a des choses qu'elle doit dire pour sa propre délivrance. On a. Je connais ce que je veux ça. Parce que elle n'est pas bien, il est beau tout bas. Il était amé avec un homme. Na yonga moko français, il dit c'est pas ça n'a pas un bas sur bio. Donc elle est jamais ça. Donc on ne moko faut pas ça. Donc on ne moko français un bas sur mona. Et que un bas jamais. Elle est quittée au Bénin. Il y a où le dit là. Un bas mina, un bas bena. Ouest. Elle est quittée au Bénin ici. Et dans où là? Et dans tout le Congo là. Du coup, on a un barbeau, les lisses.
Elle a déjà vendu la fille. On a un passement, un paiement. On doit la tuer. Et dans le mois d'août, la fille va mourir dans le mois d'août. Mais un passement, il y a nourri, non? Ah, moi, je sais, c'est dit trop la vérité. Tu vas le pingler, il va dire qu'il n'est pas dit. Moi, la chose qui m'intéresse, quand ils sont là, les victimes, ceux qui doivent mourir, nous, ça nous intéresse de les délivrer. Nous, ça nous intéresse de les délivrer. Parce qu'il n'y a pas un sorcier qui va venir faire des aveux s'il n'a pas attaché quelqu'un, comme elle. Elle est dans la confrérie. Donc, elle, pour elle, son obligation de donner des gens. De donner des gens. Donc, elle a donné. Elle a donné. C'est vrai qu'elle mange à côté. Mais sa fille, elle a déjà livré sa fille. Sa fille doit mourir en nous. Et nous, nous voulons pas qu'elle meure. Or, ce secret, elle va pas livrer ça. Parce qu'on ne dit pas ça là, dans sa confrérie. On ne dit pas. Papa, non. Mon titi, mon prista, n'a eu mon poé français. Et par soi, n'y a noué. L'eau, oye, fou. Mais ils sont. Et ne se même pas. Est-ce que ça m'a dit que je n'ai pas confiance en moi? Hein? Il y a un coup de bois. Il y a un coup de bois. Mais on m'a embrassé. Il m'a dit qu'on a. Mais maintenant, il y a un coup de bois. Il m'a dit qu'on a. Est-ce que ce que tu as dit là? Que c'est ça? C'est pourquoi hier? Supposons que je n'ai pas vu. Maintenant, moi, tu t'as mis pour hier. Et ça, n'est pas nous là. C'est important d'avoir la voyance. Le père allait chez le prophète. On n'a rien fait, l'enfant est mort. C'est parce qu'il faisait nuit qu'elle n'a pas dit qu'il faut la parler. Vous les sorciers, vraiment. Vous les savez, papa Satan. Menteur. Quand tu mens comme le diable, c'est vrai. Comment toi-même tu te maltraites? Faut lui demander comment tu peux te maltraiter, donner pied, couper viande. Bah, on coupe mon papa, non. Je vous mon titre est ça, na yeke pas là, na yeke. Mon titre est ça, na yeke pas. Oh, elle aime manger ce qui est dedans. Faut lui dire, elle aime manger ce qui est dans le ventre. Pourquoi? C'est quoi on coupe alors sur son pied? Na yeke ça n'a pas été là. Mais ça se met pas le tout mon nez. Exercer là, et quand même le coup, le bouger. Papa a dit, elle met la maltraité sa chaîne jusqu'à quand sa chaîne est pourrie sur elle. Elle a fait quoi? Quelle maltraitance? Elle a fait quoi? Ils aiment nos salaires, il y a quelque part, ils les aiment. Ah, bon, le monde, on a. On a. Elle dit ce qu'elle faisait, elle n'était pas bonne. Elle n'avait plus quelqu'un à donner, donc c'est pourquoi elle a donné ses parties un peu. Non, le prix, elle dit qu'on prend pour couper la viande. Maintenant, il y a un peu de temps. Quand tu dors la nuit, la vieille peut venir te manger au sel. Pourquoi vous ne pouvez pas aller chercher bonne chose, la chance, le bonheur, pour envoyer dans la famille, allez, tenez. Mais c'est vous qui êtes toujours envoyé, allez chercher malheur, maladie bizarre, les problèmes. À cause de vos viandes de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Maintenant, la vieille, papa n'a pas un bâtiment de là. Il doit y aller. Où tu as caché ça? Et de l'idée pour là. L'idée est d'accord là. C'est que les papas ne veulent pas. Il faut lire dans les Canaries là. Quand elle regarde dedans, elle voit tout le monde. Ses caméras. On a l'idée. On a pris le bâtiment. Il y a un bébé.
ni de agbe na foto don e de ni de akola bo kamera ba yoko pa santida télévision ni télévision de maman on a ni de ale na télévision don ka mamre mbate iye nya mo be mo kuri nana e mo nana e ça faut le politique ça faut alors ce qui est là on a ni gbe non yego o didi na papa o ni gbe ale o so ni gbe ni c'est la ni de da ni na papa ah oh il faut dire la responsable d'une confrérie ne livre jamais ses arsenales ses arsenales de sorcellerie là il livre jamais ça on a j'ai testé pour voir si elle était vraiment voulait quitter. Elle allait me dire ça. Oh non, c'est parce qu'elle est encore gourmée. Elle est encore gourmée. Sinon, moi, elle a une reine et une patronne. Une canidée. En quoi toi, t'es patronne? Non, non, car on est en mode. Mais il est d'accord là. Maman, il dit ça. Ok. Mais si tu veux que je déterre. Si tu peux la laisser ici, et puis tu sais où ça est, tu vas les déterrer. Est-ce qu'elle veut que je n'ai pas déterré? Est-ce que mon titi ouana ni de osama gouli? Très bien, j'ai déterré ça. Alors moi, on ne m'a vu ça. Moi, on est là, on ne m'a vu ça. Oui, tout le monde a vu ça. Elle dit, tu vas parler jusqu'à ce que tu as enlevé. Oui, elle sait ça. On s'en est, on s'en est. Non, merci. On prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Parce que c'est important qu'on déteste ça. Papa, elle dit, Dieu merci que tu dis tu vas déterrer. Elle est très contente. Moi, je suis, j'espère. Parce que si on ne déterre pas le canari, c'est pas bon. C'est pas un bon canari. On doit déterrer ça. Ni de quoi tu m'as brûlé ça. Qu'est-ce qui est prêt pour regarder les gens? Elle te bénit. Elle dit, tu vas déterrer. Oui, elle déterre. Donc, elle est très contente. C'est mon don, ça. Et ça, c'est. Elle dit quoi? Elle dépense la capaille. Non, stop. Tu veux dire quoi? Elle n'a pas dit quoi? Mais pourquoi on n'a pas parlé du canari aussi? Mais elle dit de n'avoir rien quoi là. C'est ça, maman. Elle est fatiguée. Ah, tu es fatigué? Okay. Fatigué comment? Attends, fatigué de quoi? Pourtant, je te fatigue. Je te fatigue. Ça l'a échappé ou elle est là? Oh non, moi on s'est l'amour. Papa là on s'est l'amour. Na il cherche sous les nids de Nawolie quoi. Même moi mon titi na. Même moi mon titi na on s'est l'amour. Tenez, elle va se suivre. Donne-lui. On a c'est là, coulé. Donne-lui une chaise, elle va s'asseoir. Oh, elle sait que le canari n'est pas bon. Bon, il faut lui dire cette semaine, elle va aller déterrer. Quand il finit l'immigration, elle est d'accord avec ça? Oh non. Voilà. Il y a Maïli qui aime. On y a pris ça quand même. Tu es d'accord? Elle dit qu'elle te bénit. Non, bah, laisse ça faire de bénir. Elle va me dire comme ça. Papa. Je me bénis déjà, je vais quand même bénir. Ta bouche, tu peux manger les gens là-dedans. Je lui demande. Je vais aller déterrer. Elle dit quoi? Cette semaine-là. On a aucune idée pour ça. On a une idée là. On me sent ça m'a goulé. Non, ça m'a goulé. Très bien. Non, ça. Pourquoi elle veut que je déterre? Pourquoi elle veut que je déterre? On a. Et d'abord, on a une idée pour ça. On a une idée pour ça. Bon, tu veux plus ça et tu viens, tu ne parles pas de ça. Mais il y a une petite fille qui est passée juste à côté là, c'est qui? Ça. Elle est venue avec qui? Papa, on a mis en roule. On a mis en roule. On a mis en roule. Dans le canari là, c'est celui qui prend comme caméra. Et en même temps, on a mis en roule. On a mis en roule. Donc il faut dire à tes membres là, pour que le prophète arrive vers vous. On a ça n'a rien à dire, on a bougé à nous dit, na papa na. Je viens vous affronter. Ça n'a bougé à nous dit, na papa na ojibe, oyé au cas où nous devons ça. Il y a
Et on remplace. On a acheté du moins. Je fais remplacer. Moi, de la vieille, le jour je rentre dans le village, je te dirai, hein, cette semaine-là. Elle dit le nom des gens. Zabé. C'est un sorcier. Elle est boumant. Elle fait quoi avec elle? Ils sont en là. Ils sont en train là. Donc elle veut délivrer. Elle était partie dans un village de Beauville. Maintenant, elle voyait le monsieur avec tué et puis il avait ça dans ses deux bras. Pour lui donner pour manger. Et puis elle, quand elle a vu, elle l'a chassé avec ça. Vraiment, le gars a refusé de donner la viande. Je connais le langage, elle a demandé, elle a refusé. Il a refusé de le donner. On a monté sur un an, yes, Personne ne peut l'attraper. Elle est très rusée. Il faut dire, le prophète dit, toi même, tu n'as pas envie de quitter. C'est Dieu qui t'a forcé. Sinon, toi, tu ne peux pas quitter. Oh non, papa, non. Mon titi, nous, on a encore goumé, mais là, mon titi, moi, si que mon est italien. Sinon, mon titi, nous, on a encore goumé, tu voulais quoi? Tu ne veux pas? C'est Dieu qui t'envoie ici, il faut le dire. On a l'agomon à mon italien. Bon, Dieu la vieille, cela ne dépend plus d'elle. Voilà, c'est un décret. Dieu a décidé que sa famille soit délivrée. Et elle-même, là, si elle ne veut pas rentrer dans le système de la délivrance, elle sera emportée par le vent destructeur de l'esprit de Dieu. C'est comme ça. Quand Dieu veut délivrer une personne, que tu ne rentres pas dans le système de la délivrance pour te repentir, alors Dieu te tue. Vous lui dites ça? Oh non. Parce que la mort, sa mort peut être une délivrance pour la famille. Il faut donner. Mon titre n'a pas été bien compris. Parce que là, on a eu un faux pas ça. Mais il n'y a pas de faux pas. Là, on a eu un faux pas ça. Mais mon titre, quand on a eu un faux pas, là, on a eu un faux pas. Mais mon titre, quand on a eu un faux pas, c'est que. Même quand on a eu un faux pas, quand on a eu un faux pas, là, on a eu un faux pas. Il y a un faux pas. Tu viens, tu ne parles pas de canaries, tu viens, tu ne parles pas de bois, tu viens. Elle veut délivrer, c'est pourquoi elle est venue ici. Maintenant, quand tu vas la délivrer, que si elle-même, elle veut repartir encore auprès des Canaries, encore pour faire encore d'autres bêtises, Dieu n'a qu'à la tuer. On n'aura plus de Canaries. On est ni de la mais moi, tu es au cas de la brisa. Le jour, il rentre dans vos villages, il détruit tous les sorciers. Moi, tu es au cas de la brisa. Mais la même chose, on m'invite dans un village seulement. Jamais. Pour une famille, j'en profite pour régler tout le problème de tout le village. Mais c'est mieux. 25, elle plus, elle avait 25. Elle a 24 personnes, sa confrérie, elle est reine. Et c'est 24 personnes qu'elle gère, plus elle avait 25. C'est toute cette confrérie-là que je m'aime matin. Faut lui dire ça. Papa, non. Allez, Nyano, Kore, sort de mon âme. On dit qu'il y a un camoufle. Alors, Nyano, Kore, je sors de B. Donc moi au Canada au Cumbre, aïe on a rien, rien pour faire quoi. J'ai réglé le problème. Aïe go tout, on est là où les yokui batte. Oui, on va au Cumbre. Cumbre Djibbe, allez au Cumbre Djibbe. Vous êtes besoin d'aller au Cumbre Djibbe. Au Canada au Cumbre. Eh, aïe la vieille. Oh. Non.
Il faut lui dire Dieu l'aime. On a un lago au wasu moyen. L'avocat d'or au wasu. Voilà. Donc il faut changer. On a ketchi. La gona ketchi. Tu danses, danses. On a mon, on a un yesu, yé. Oye, yé. Elle m'a traduit, elle a traduit ça sèchement comme je dis. Oui, c'est comme bébé pas mou, ça veut dire verser l'eau. Je ne peux pas traduire ça en français. En français, c'est une bénédiction. Or, toi, tu sais qui chante de l'église là, tu ne traduis pas exactement dans ta langue. Tu dis ce qu'il a dit. On a un télésou. Parce que ta traduction, c'est de dire exactement pour que la vie comprenne. Ok, amen. Voilà, que Dieu bénisse. La vieille, tu veux, tu veux pas, la famille sera délivrée. Tu veux pas, la famille sera délivrée. On a un oiseau et le waou, na 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 Il dit, elle veut pas la famille, sa famille là. On a la famille, ah, elle, sa famille sera délivrée. Elle pas elle. Famille pour tout. Elle est ce que me voulons. Mais mon titi n'a si elle veut pas, elle est sous la terre. Quand on a revenu ce coup. Et quand on a revenu, il y a tu n'es pas quitté dans l'amour là, c'est pas tu vas mourir, on va faire tes funérailles. On va te mettre voilà, dans ça. Dans ça. Mais il y a un popo. Je ne sais pas la moi, je cherche la vie. Quelle vie? La vie, toi tu es rassasié, ta moyen, tu es bien. Ta moyen, voilà là. Jinglé, Chikliti, toutes les sauces. Ça graine tout ça. Ça, tu veux la vie. Amen. Voilà, que Dieu nous aide. Nous sommes en train. Il dit c'est notre méthode. Ça plaît à celui qui ne s'appelait pas, on s'en fiche. Comment on fait, on les délivre. Ils ne se plaignent pas, on les délivre. Parce que la meilleure manière de délivrer un sorcier, c'est de les arracher les aveux. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit qu'il a diversité d'opérations. Voilà. Donc, il ne faut pas limiter Dieu. Ah, c'est quelle manière? Mais la manière, la délivre le sorcier. Bon. C'est l'objectif, c'est qu'il faut aller à l'essentiel. Ne jugez pas l'action. Ça amène à quoi? Or, nous sommes déjà 8468 sorciers délivrés. 8000. Qu'on a délivré à la même méthode. Or, qu'on ne délivre pas un sorcier, ça veut dire que c'est un criminel qui est dans la nature et qui continuera à manger en dehors des familles. C'est pour ça que je suis allé à l'ONU. Parce que la sorcellerie doit, la pratique de la sorcellerie doit être déclarée comme crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Un sorcier qui va être initié doit tuer 12 personnes par mois, et par an. Chaque mois, il doit donner, ça fait 12 personnes. Le responsable de la confrérie. Ça fait une personne par jour. Ça fait 365. Combien de jours? 365 jours. Personne. C'est pas génocide. Et puis nous on regarde et ça nous dit rien. Ah, vous parlez seulement des sorciers. Mais si je ne parle pas des sorciers, j'aurais l'encouragement d'aller manger déjà. Et moi, je suis vraiment touché et attristé quand nos collègues ne parlent pas de ça. Vous enseignez des gens qui sont envoûtés. Vous enseignez, vous parlez aux gens qui sont même victimes de sorcellerie. Et ça ne vous dit rien. Au contraire, vous effrayez les gens. Celui qui vous dit, n'allez pas au village parce que les sorciers vont vous manger, et puis il ne fait rien pour vous, c'est que lui-même, c'est un agent du diable. Parce qu'il vous met la crainte de la sorcellerie dans le cœur. Nous, on est parti, on allait à Boifler. Dans le but de pouvoir permettre à la famille d'aller au village, on leur a dit à la sorcellerie, mais on allait mater la sorcellerie au village, dans leur famille. Ils sont tous réunis, et puis on leur a dit, vos sorciers, ce n'est rien. Donc un pasteur qui te dit, ne va pas au village parce que les sorciers vont te tuer. Quand les sorciers vont te tuer, qu'est-ce qu'il lui fait pour toi? Lui, il doit faire quelque chose pour toi. Et il doit maintenant t'encourager parce que la parole de Dieu, là, c'est plus la pratique. C'est pragmatique. Quand il finit pour toi, il va te dire, va au village. Comme on a fini là, va tester la parole de Dieu. S'il ne dit pas ça, c'est que lui, ce n'est pas un véritable homme de Dieu. La Bible, quoi, ne vous borne pas seulement à l'écouter, mais à le mettre en pratique. Moi, je teste la parole de Dieu. La parole de Dieu que je dois marcher sur eux. Donc, quand je viens dans les villages, les nargues, ils sont rien. Ils sont rien. Jésus-Christ il est mort pour nous donner la victoire sur la sorcellerie. Ce n'est pas un jeu. Donc, n'ayez pas peur. C'est quel message les gens apportent aux gens? N'allez pas, les sorciers vont te tuer. Bon, les sorciers vont te tuer là. Il peut quitter au village, aller te manger. D'ailleurs, il aimerait que toi-même tu comprennes que c'est la sorcellerie au village seulement, que ce n'est pas à Paris.
Puis toi, tu es là, tu penses que ce n'est pas Paris, ce n'est pas là. Ok. Mais lui, qui va te manger? Est-ce que son sorcier a besoin d'aller prendre visa? Lui, mais il est visa. Il a guette privée. Il a quel temps pour aller, puis le consul a dit non, toi, il te refuse visa. Non, non, non. Lui, mais la visa, il va manger sa viande, bien, les bien dans ton salon, il te mange chez toi. Bonne sauce, Kegenou. Ben, c'est rapide, Kegenou. Et puis il revient avec Kéké Abodjama, il te mange, puis il revient chez lui. Amen. C'est pour ça que acceptez Dieu, acceptez le Seigneur, marchez avec lui, il vous donnera la raison sur la sorcellerie. Amen. Je sais que j'aurai une longue vie pour mater la sorcellerie. Ça, je suis au courant de ça. Je sais que j'aurai une longue vie et je ne vais pas m'amuser avec cette pratique. Je ne m'amuserai pas d'ailleurs. C'est depuis un moment qu'on a commencé à ouvrir les yeux des gens. C'était un sujet tabou, les gens n'en parlaient pas. Ah, le prophète lui-même, c'est ma spécialité. Toi, ton Dieu t'a appelé à ton don, il faut faire pour toi. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous me critiquez, la fête pour vous. Pourquoi c'est pour moi là qui vous dérange? Ou bien vous travaillez avec Satan? Mais si tu es plein, là, si tu travailles avec Satan, en quoi c'est diabolique ce qu'il est fait? En quoi c'est satanique? En quoi? Quelqu'un te dit, tue, moi je le délivre. Oui, 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 ce qui est diabolique dans sa vie, etc. Mais ce qui est diabolique dedans. Vous restez à Paris, vous êtes à Londres, nous on va dans les villages, vous êtes là-bas, nous on va dans les villages. Moi je suis plus à l'aise dans le village. Je sais que cette année on va aller dans les villages. N'ayez pas peur, vous avez les villages. C'est ce que Dieu vous a donné comme héritage. Vous avez laissé son sorcier. À ce moment-là, où est votre croyance en Dieu? Vous croyez en quel Dieu? Jésus dit n'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur? On ne doit pas avoir peur d'eux. Si tu as véritablement Dieu, tu ne dois pas avoir peur de cela. C'est ça, c'est cette peur-là qu'on veut vous enlever dans le cœur. Parce que vous avez peur des sorciers si vous n'avez pas foi en Dieu. Or, permettez aux promesses de Dieu de se réaliser dans votre vie. Dieu a vaincu la sorcellerie à la croix. Amen. Bon, la vieille, va.